Oh merde. Non, 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 on va pas le faire. J'ai envie de garder les pierres parce qu'il n'y a pas de... Non. Si on veut retourner au nain, c'est long. Là, on peut le faire sans, je pense. Prépare-toi. Ah, il a été gelé. Parfait. Cette attaque est bonne. Ça passe. Ouais. Il a plus d'armure. C'est pas fini. Point de tort. Oh merde. Alors comment on va passer? On peut passer ou pas? Ouais, ça a l'air d'être. Allez, allez, allez. Pas mal ça, c'est vraiment pas mal. Ouais,
pas encore les gros. Oh merde. Oh la vache, j'ai fait l'attaque pendant qu'il la faisait, ça m'a joué. Même la vague elle est ralentie, ça y est. J'ai pas envie de me le refaire. Je vais pas s'abrocher. Oh la vache, la vague. Arrête. Bien, occupons-nous de notre chaîne. Cette vague, elle est atroce. Elle est super rapide en plus. C'est bon, je suis perdu. C'est là-bas. Atreus ici. Oui, père. Ah, c'est l'autre genre de piège. Il faut savoir varier. Oh mon dieu, ils sont tous... Putain. Ils sont tous différents les uns des autres. Et... Je déteste cette partie. Je sais. Il y en a trop. Presque bon. Faut vrai que ça, les lames, ça arrête pas la hache parce que sinon ce serait tellement chiant à viser. J'ai passé là. Ah, c'était tellement limite. Alors, devant. Ah, c'est bon. Je reviens pas qu'on soit si près du but. Personnellement, je n'ai jamais douté. Ouais.
pièges deviennent lourds, hein. Putain. Symbole de considération. Alors, je sais pas. Non. Pas vraiment intéressant. Alors, on va faire la chaîne. Ah merde. Passer derrière un Nog permet au père de lui infliger des dégâts, mais s'il se retourne et le repère, il contre-attaquera. On va peut-être changer les runes à un moment ou à un autre. En attendant que les dieux soient. On peut attendre longtemps. Waouh, ils sont généreux avec la vie ici. Putain. Ouais, faudra peut-être changer les runes à un moment ou à un autre. Parce que je commence à de moins en moins aimer les runes de... les runes de la hache. C'est parti. Oh merde. Con pour toi, hein. Non, c'est pas ça. C'est ça. Est-ce qu'ils viennent là? Oh yes. Ok, pas.
Atreus. Oui, père. C'est le moment de retourner le temple. Oui. Pourrait-on arrêter d'employer l'expression « retourner le temple » Ça devient un peu trop normal. L'esprit est plus fort que l'épée. Alors... Oh, c'est sympa, ça. C'est joli, mais bon, est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas, mais c'est sympa. Provoque une violente secousse, augmente considérablement les dégâts d'étourdissement causés par l'impact. C'est sur une cible. Par contre, on peut le faire très très souvent. 52 secondes. C'est le plus court. Ouais, c'est sympathique, mais je pense pas que ça va vraiment nous aider. On a un truc qui fait mal avec ça. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Augmente la durée du bonus. Augmente considérablement la durée. Et le bonus des attaques runiques. Genre, par exemple, si on se stuff. Si on fait une sorte de build, en fait. Runique, ça, c'est pas mal, ça. Ajoute un léger bonus aux attaques runiques et normales. Donc... On augmente les attaques de givre et de runes. Et du coup, ça fait extrêmement mal. Sympathique, ça aussi. Tempête tranchante, non. Qui est rapide, c'est pas mal, mais ça, on peut le faire souvent, mais il n'y a pas beaucoup de dégâts. Ça, on peut faire souvent, mais c'est trop chiant parce que l'animation est longue. C'est sympathique. Ça, non, c'est con. Ça, c'est pas mal. J'hésite entre la frappe et le sillage. Non, pas ça, c'était... Non, c'est la fureur du troll, c'est ça? Ah ouais, mais c'est maintenir... Non, c'est faut maintenir, en fait, pour faire des dégâts. Ah, mais là aussi, putain de merde. Maintenir un pour charger jusqu'à 3 vagues. Ah, mais on peut le faire vachement souvent, ça. 39 secondes, ok, on va tester. Tant que le chat... Ouais, petite déconnexion du chat. Enfin, pas du chat, du live. On est de retour, tout va bien. Alors, j'ai changé pour ça. Ouh, ok, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ok. La frappe d'Udgar. Et c'est 39 secondes, donc c'est rapide. Waouh, c'est très rapide, ça augmente, on voit là. Faut charger par contre. Le seul problème c'est qu'il faut charger. C'est par là-bas. Non, trop tard. Passe. Ah. Mes frères, je sais ce que je vous ai promis, mais si jamais ça ne marchait pas, souvenez-vous, Tyr a créé ces obstacles pour une bonne raison. Il a su empêcher Odin d'atteindre Jotunheim, mais la paix est loin de régner. Non,
Mais il y a de l'espoir. On travaille tous ensemble maintenant. C'est ça que signifiait la rune sur la porte qui menait ici. On suit la voie de tir. Non, on est bon là. Le live est bon. Refresh. Ah, tout va bien. On est prêt à bousculer le temple. Allez. Pousse avec tes jambes, frère. Qui sait ? J'essayais juste de t'aider. Force brute sera la solution, je serai content d'être de ton côté, mon frère, et nous ne sommes pas morts. Que demander de plus ? Là, à gauche ! Je pense qu'on peut monter à l'envers pour rejoindre la salle de passage entre les royaumes. Complètement normal. Tu vois, Mimir ? Personne pourrait faire ça tout seul. Tous ces obstacles, ils nous permettent de prouver qu'on est les seuls à pouvoir les battre. On a beau se disputer, mon père et moi, toi et Freya, Brock et Sindri, quand on unit nos efforts, on forme une bonne équipe. C'est ça le test de tir. Et c'est pour ça qu'on va réussir à atteindre Jotunheim. Tu entends ça, mon frère? Le garçon a trouvé son équilibre. Ça veut dire quoi, ça? Il veut dire que tu parles avec sagesse, Atreus. Et ça fait plaisir à entendre. Sympa. Juste une petite seconde. C'est reparti. On a retourné le temple. Putain, je vois rien. Ha ! Et alors le temple a été conçu pour être renversé. Regardez, l'arbre est à l'envers. Ou c'est nous ? Je ne sais plus trop. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il y a, petit ? Atreus, ton couteau. Alors, qu'avons-nous là ? Une sorte de pierre de transport. Fais-moi voir. Par l'épée d'Odumla, c'est la pierre d'unité. Tu sais ce que c'est ? Je n'étais pas sûr qu'elle existe. Si Tyr l'avait en sa possession, ça expliquerait comment il a pu se rendre dans tous les royaumes, et même au-delà. Il tenait ceci, sur le panneau dans la bibliothèque d'Odin. Oui. Oui, ça y est, je comprends maintenant. Ça montre Tyr parcourant le monde entre les royaumes. On dit toujours qu'il ne faut pas s'écarter du droit chemin, mais Tyr, lui, suivait son propre chemin, si tu vois ce que je veux dire. Le monde entre les royaumes. C'est-à-dire qu'on peut aller partout, du coup ? Alors tu penses que la fresque de Tyr est une branche de l'arbre monde et que, pour atteindre l'accès secret à Jotunheim, nous devons en faire autant ? C'est ça. Bonté divine. Tu le penses vraiment, n'est-ce pas ? Toi, tu me dis d'aller là-bas ? Ok. Ah, le saut ! Il veut qu'on saute. Allez au travail.
La prochaine fois. Ou pas. J'ai rien dit. Peut-être autre chose. Si tu comptes nous persécuter dans le vide, j'espère que tu sais ce que tu fais. C'était pas ton idée de trouver notre propre voie. Oula. Et merde. Et merde. La PS4 souffre, apparemment. Il y a un freeze pendant une seconde. C'est là que Tyr a franchi le pas. Et que la pierre d'unité l'a protégé. Prêt? Prêt. Eh bien, nous y voilà, mes amis. Ce fut un honneur. Aie confiance, tête. C'est incroyable! Je pensais qu'il y aurait un pont! Je peux avoir la nausée alors que je n'ai pas l'estomac. Tu rigoles, c'était génial. Ah, c'est la garde. La tour. Je savais bien qu'il y avait quelque chose ici. Incroyable. Comment cache-t-on une chose qui existe dans tous les royaumes? En la déplaçant dans le monde qui sépare les royaumes. Tyr était malin. Est-ce que Jotunheim est de l'autre côté? Ça ne peut pas être ça. On ne peut pas passer par Vanaheim pour atteindre le pic de Midgard. Alors comment on l'utilise? Je suggère de regarder à l'intérieur, mais restez prudent. Les défis de Tyr ne sont jamais aussi simples qu'il y paraît. J'avais remarqué. Cool, on a trouvé la tour qui manquait. C'est très... dépouillé. Le piédestal. Oula, ça me dit rien de bon avec de la vie et de la rage comme ça, gratuite. Oh non, il a pris la pierre. La tour, elle absorbe l'énergie de la pierre. Il se passe quelque chose. Elle bouge. Elle bouge. Elle sait quoi faire. La pierre a rempli son rôle. On réalise le sort de Tyr. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Aucune idée. Mais après cette chute, le pire doit être derrière nous. On peut jamais dire ça. Ah, super. Ah, je retire ce que je viens de dire. Derrière toi. Derrière toi, mon gars. Putain, derrière moi. Là, du coup, je regrette d'avoir enlevé mon tourbillon. C'est bien. Où est-ce qu'on est? Oh, ça ressemble à... Les choses explosent en mourant, ouais, dans le sens. Alfheim. Ah! Oh non! Oh, on va se taper tous les royaumes! Attention,
Merde, c'est encore aveugle. Je suis encore aveugle. Horrible. Ah non, pas ça. Putain, pas eux. Merde, en plus ils étaient tous très très bas en vie là. Mais j'ai été bloqué par le mur. Fait chier. Attends, j'espère qu'on va se retaper juste porte par porte, pas tout. Ouais, ça va, on est à. Ah. Ok, c'est bon. On est à L. L aim. Ouais, c'est ça. De vagues de feu, s'il vous plaît. Pas de vagues de glace plutôt. Je sais pas quand exactement il me la prend avant. Oh!
Que dalle. Merde, dégage. C'est fini. Monsieur Pelheim, ça t'annonce cool. Mal. Comment? Déplace un plan. Là, j'aurais pu le finir après, s'il est seul, c'est très simple. Yes. Oh wow, super, super, super. Il est mort là, ou pas? Fini. Ah si. On s'est arrêté. Je crois que c'est fini. Ah, ça là aussi c'était Fureur d'Artemis. C'était une attaque qu'il faisait dans les anciens God of War. Lacération qui protège Kratos en repoussant les ennemis à proximité. D'accord, mais où sommes-nous? C'était un gros bordel, hein. Regarde, on est de retour à Midgard. Voilà le pont. On a réussi. La tour est de nouveau à sa place. La salle de passage de Tyr peut maintenant nous mener à Jotunheim. Comment Tyr a fait ça? Odin soupçonnait les géants de posséder des restes de l'essence primordiale des Jotnar.
C'est la source de la création de tous les royaumes. La pierre d'unité a dû être façonnée à partir de cette essence. Pour qu'il la confie à un étranger, même à Tyr, il fallait vraiment qu'il soit désespéré. Et regarde, on peut enfin allumer tous les brasiers et voir ce qui arrive. Encore un nom. Gundul. Pourquoi les runes d'Arcane? Nous sommes peut-être censés trouver quelque chose à Muspelheim et Niflheim. Ça sent la fin du jeu, hein, quand même. J'ai bien envie de continuer, en fait. Enfin, l'histoire. Et après, on fait le reste. Genre les trucs en plus et tout ça, ce qui nous reste, quoi. Ça va, les jumeaux? Très bien, alors quoi? On taille la route ou bien le bout de gras? Les deux. Est-ce qu'on a des trucs à augmenter? La frappe est pas mal, mais il faut vraiment charger, en fait. C'est vraiment... Ça, par contre, faut voir un peu. Est-ce qu'on charge vite au bout? Ah merde, je peux pas aller dans la salle. J'ignore ce qu'on trouvera en arrivant à Jotunheim, mais nous devons couvrir nos traces. Les corbeaux d'Odin lui rapporteront que la tour est restaurée. Il ne faut pas qu'il en tire parti. Très bien. Du coup, on peut aller à Jotunheim. Attendez un peu, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Il n'y a pas de cristal de passage. Tyr a dû se servir de ses yeux pour réfracter l'énergie. C'était sa dernière protection. Les mêmes yeux que lui, Mimir. J'ai un œil. Un seul. Odin m'a pris l'autre précisément pour m'empêcher de voyager. Désolé, les amis. Je pensais que ça marcherait. Qu'est-ce qu'Odin a fait de ton autre œil? Il peut l'avoir gardé dans une centaine d'endroits. J'en ai peur. Après tout ce chemin? Pas s'arrêter là. Écoutez, je n'y crois pas trop, mais des années durant, j'ai vu Sindri, et parfois Brock, rôder dans cette montagne pendant les visites d'Odin. Ils savent peut-être quelque chose. Brock et Sindri. Mais... C'est vrai qu'à chaque fois, il y a des cristaux, là. À chaque fois, je me demandais s'il fallait pas en récupérer ou les activer, ben voilà. C'est à ça que ça sert. Dites, une petite question. Est-ce que quelqu'un sait où se trouve l'autre œil de Mimir? Oh. Je suis navré. Il se trouve qu'Odin m'a demandé de... Il voulait que je lui fabrique... Enfin, il me l'a montré et moi j'ai... J'ai décliné. Pardon. Vous... M'excusez un instant. On n'est pas plus avancé. Vous savez, Odin est venu me voir à peu près en même temps. Il cherchait quelqu'un pour construire une statue avec un genre de compartiment secret. Comme c'était pas une arme et que les Az sont une bande de sacs à purin, j'ai préféré décliner, moi aussi. Mais je sais qu'il a trouvé quelqu'un pour faire le boulot. C'était quelle statue? La statue de Thor, celle qui montre ses baloches au lac. Celle que le serpent a avalée. Oh non. Veuillez m'excuser. Je me sens beaucoup mieux. Comment on peut chercher à l'intérieur du serpent? À l'intérieur du...
Oh non! Nous ferions mieux d'aller demander au serpent monde ce qu'il en pense. Yeah. On va aller dans le serpent. Eh bien, mes amis, j'ignore ce qui nous attend. Je m'assurerai que mon équipement peut résister au pire. Si vous avez quelque chose à faire, c'est reparti pour la corde. Ça va. On va se débrouiller.